ça fait pas mal. Mais ça fait même pas mal. Lancé ce mardi 5 mars par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole est effective à Pointe-Noire. Le cas de l'hôpital général de Luangili, qui pour l'occasion a procédé à plusieurs vaccinations en son premier jour de campagne. Bon, quand même les parents viennent petit à petit parce que c'est le premier jour, parce que c'est toujours comme ça. Le premier jour, il n'y a jamais eu beaucoup de gens. Je pense qu'avec demain, on en aura peut-être plus que ça. On s'est ouvert de 8h à 16h. Ici, c'est l'hôpital général de Luangili, qui est dans CQ401. Au-delà de la vaccination contre la rougeole et la rubéole qui concerne les enfants de 9 mois à 14 ans, ceux de 9 mois à 5 ans bénéficient d'un déparasitage systématique au mébendazole et d'une supplémentation en vitamine A. L'approbation de chaque parent est donc de mise. La tranche d'âge, ceux qui sont concernés, de 0 à 14 ans, de 9 mois à 14 ans, qui vont recevoir le RR et la supplémentation en vitamine A et le déparasitage avec le mébendazole. Le message que j'adresse aux parents, c'est d'apporter les enfants là où un site de vaccination pour protéger les enfants contre la rubéole et la rougeole. Retenons que la campagne qui a démarré ce 5 mars dans tous les centres de santé prendra fin le 9 mars 2019. Je vais dire au revoir à la télé, non ?